ça vous approche un peu plus ici. Et pour la femme aussi, c'est la même position, c'est là. Et ce qu'on cherche, c'est d'avoir le plus contact possible. Mes bras, mon bras et son corps. Parce que ça, je veux sentir toute l'énergie qu'il va me donner. Ok? Droite, gauche, droite. Ce qui m'a motivé, c'est un côté social aussi, participer à une ouverture. La danse, c'est toujours une ouverture, ça vient d'Argentine. C'est donner l'appétit, c'est comme un petit apéritif pour aller plus loin après, c'est ça mon idée. De donner un peu le sel et puis animer une heure, de déjà faire danser les gens sur cette magnifique musique. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un peu un délire quoi. Ma copine, elle a pas mal de familles en Argentine et puis c'est surtout elle qui a envie. Moi j'ai suivi, mais c'est plaisant. Hein. J'aurais pas essayé comme ça, mais vu que c'est proposé, ben, c'est sympa. Ouais. Il y a une tradition de musique dans les centres et la danse c'est énorme. Il y a des centres comme Bourdonnette, au Pôle Sud, etc., qui font énormément de danse. Donc je n'ai pas inventé la poudre. Hein. Tout simplement, il fallait lancer un projet dans lequel on rassemble toute cette énergie, qu'on fait tout le travail qu'on fait dans le quartier, et l'organiser, et puis c'est tout. Donc, c'est comme ça qu'est partie l'idée. Il faut amener un bon rythme de base et puis les mettre déjà dedans. Si quand ils se sentent dedans, après c'est plus facile parce que tu décontractes et puis tu es à l'aise sur le rythme. Et après, il faut commencer à apprendre un peu l'appel de tam-tam. Quand tu entends l'appel, tu sais que tu dois changer de pas et puis c'est là que ça évolue. Pour moi, la danse, c'est la liberté. Ça libère le corps. Tu es chaud, tu transpires, tu es bien à l'aise. Après, même si tu finis de danser, tu es excité. En fait, tu peux arriver fatigué, tu danses, après tu es excité, tu veux continuer à danser. Alors que tu étais fatigué au début. Donc ça te libère. C'est grâce à ma chère amie Monique qui m'a appelé hier en me disant « Nathalie, as-tu envie de danser ?» Ouais. Merci Monique, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai trouvé super. Ça m'a fait bien transpirer, bien bouger. Alors ma fille qui a 7 ans, elle fait de la danse orientale au centre de loisirs de Chailly. Et puis moi je n'avais fait au départ et puis j'ai pas trop croché. Je me disais toujours c'est super la danse orientale mais c'est un peu trop fin, moi il me faut quelque chose de plus physique. Et c'est ma fille qui a pris la relève. Et puis voilà, hier elle a invité sa copine marocaine et puis ils se sont défoulés sur la musique, on s'est tous défoulés ensemble à 1h de l'après-midi. Puis je me suis dit, ah, ce serait sympa que je reprenne. Puis l'après-midi même, je l'ai amenée au cours de danse. Et puis une copine, elle m'a dit, écoute, ce week-end, les centres de loisirs, ils font des trucs. Et puis j'ai ouvert le programme, puis j'ai vu qu'il y avait de la danse africaine. Moi, j'ai jamais vu, par exemple,
J'ai vu ma mère danser sur les Beatles, puis c'est à peu près tout, je crois, que dans mes souvenirs d'enfance. Alors c'est vrai que ce côté danse spontanée, défoulement, ressenti tout son corps, et puis bon, le défoulement physique, je trouve que c'est quelque chose de super. La danse africaine, en fait, j'aime bien le fait d'être terre à terre, de s'enraciner, de c'est pas un mouvement fin. Moi, j'ai besoin que ça bombarde, que ça pète. Moi, j'aime bien quand ça bouge, quand c'est du solide. Sinon, simplement, les bras, la tête, le corps, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. De ces projets, surtout, j'aime, c'est, à part de la danse, c'est l'intégration. Ça, c'est vraiment important parce que normalement, ça ne se voit pas souvent ici, en Suisse. Et des événements où on peut essayer de faire un petit peu l'intégration des gens de différents pays, de différentes cultures. J'ai trouvé sur le web l'information parce qu'on cherchait un cours de danse pour notre petit qui voulait faire du breakdance. Nous, on danse déjà dans une école de danse et, où il ne pouvait pas en faire. Et puis, par du bouche à oreille, on est allé voir ce site web et puis on est venu ici. Les écoles sont tout de suite compris la démarche, puis chacun a apporté. Bon, c'est toujours difficile la première édition d'un événement comme ça. C'est des gens qui, les gens qui font la danse, c'est des gens qui sont par nature enthousiastes. C'est comme les musiciens. Hein. C'est des gens que tu n'as pas besoin de trop les allumer pour que tout de suite ils partent des idées, etc. La danse, c'est un élément rassembleur multiculturel qui est fabuleux, j'entends, parce que c'est derrière la danse qu'on s'identifie les différentes cultures qui habitent dans cette ville. Donc, quelque part, c'est montrer notre travail auprès des centres socioculturels dans les quartiers et aussi donner la parole à toutes ces cultures qui habitent ici, qui des fois sont tellement discrètes qu'on ne sait même pas.
moi, je trouve que déjà, aujourd'hui, on a eu une journée difficile le matin quand on a monté tout ça, et puis qu'il pleuvait, etc. Et puis maintenant, voir tous les gens qui sont de plaisir d'assister à toutes ces prestations, c'est déjà, pour moi, c'est déjà le pari est gagné. Thank you.